Observez votre respiration. Et avec l'aide de la respiration, amenez votre attention petit à petit à être focalisée au niveau de l'ajna qui se trouve à environ 5-7 cm devant le front. Une fois toute l'attention concentrée dans l'ajna, retirez-la vers l'intérieur et devenez conscient d'être l'observateur neutre, demeurant à l'intérieur de votre corps. En tant qu'observateur, placez-vous dans le silence d'être de l'observateur. Et à partir de ce silence, apercevez l'activité de votre corps physique. Observez son état d'être dans l'instant présent sans jugement. Prenez simplement note de ce qui est, tout en accueillant ce qui est. Et vous réalisez que tout au long de la journée, l'état d'être de votre corps physique change, mais que l'être intérieur que vous êtes est toujours dans ce même état de bien-être, de calme, de stabilité, de vitalité, de juste équilibre. Et vous réalisez que vous avez ce corps physique afin de vous exprimer dans ce monde physique, mais que vous n'êtes pas ce corps physique. Imaginez le maître devant vous. Vous êtes dans le silence d'être de l'observateur neutre. Et à partir de ce silence, placez votre regard sur votre énergie émotionnelle. Observez son activité dans l'instant présent, sans jugement, sans connoter une émotion de positive ou de négative. Prenez simplement note de ce qui est dans l'instant, tout en accueillant ce qui est. Et vous réalisez que tout au long de la journée, les émotions fluctuent, tandis que l'être intérieur que vous êtes est toujours dans ce même état de sérénité, d'harmonie, de joie, de détachement, paisible, imperturbable, inébranlable. Et vous réalisez que vous avez ce corps émotionnel afin d'exprimer des émotions dans ce monde, mais que vous n'êtes pas ce corps émotionnel. Et imaginez le maître devant vous. Vous êtes dans le silence d'être de l'observateur neutre. À partir de ce silence, observez l'activité de votre mental concret. Contemplez, sans jugement, les pensées, les images, les idées défiler sur votre écran intérieur. Prenez note de ce qui est dans l'instant, tout en accueillant ce qui est. Et vous comprenez que votre mental concret ne s'arrête jamais.
tandis que l'être intérieur que vous êtes est toujours dans le silence, dans l'observation, avec une vision éclairée sans jugement, permettant un discernement plus juste. Et vous réalisez que vous avez un corps mental concret et que vous pouvez l'utiliser en tant qu'observateur neutre, car il stocke une grande quantité d'informations et de connaissances, mais que vous n'êtes pas ce mental concret. Et imaginez le mettre devant vous. Vous êtes dans le silence d'être de l'observateur neutre, détendu, calme, dans le silence, serein, avec une vision éclairée. Élevez maintenant votre conscience vers le centre de la tête. Vous pouvez y observer un canal lumineux partant du centre de la tête vers le haut, à travers le coronal. Dans ce canal lumineux, déplacez votre conscience vers le haut. Et au moment où vous traversez le centre coronal, donc juste au-dessus de votre tête, votre conscience s'élargit. Vous découvrez une grande bibliothèque avec des salles immenses, remplies de livres, de connaissances. C'est le mental abstrait. En tant qu'observateur neutre, vous pouvez acquérir ces informations qui aujourd'hui sont encore abstraites et inconnues et les stocker dans le mental concret. Et ainsi, tout ce qui est abstrait deviendra concret. Le mental abstrait et concret fusionneront en un seul mental. Et vous serez un maître de sagesse. Vous comprenez comment, en tant qu'observateur neutre, vous avez des véhicules que vous pouvez explorer et utiliser. Discernez que ces véhicules ne sont pas encore totalement purifiés et qu'il y a encore des ajustements à faire. Discernez cela sans aucun jugement. Vous en prenez simplement note, tout en accueillant ce qui est. Vous êtes dans le silence d'être de l'observateur neutre, votre attention focalisée dans le canal lumineux qui monte à travers le mental abstrait. Par un acte de volonté, remontez votre conscience à travers ce canal à environ 1 mètre au-dessus de votre tête. Et réalisez qu'à ce niveau-là, votre conscience n'a plus aucune limite. Votre être n'a plus aucune limite. Vous êtes âme. Vivez cet état d'être de liberté totale, en dehors de toute restriction de vos véhicules. En tant qu'âme, observez les véhicules
que vous avez choisi en tant qu'âme, ces véhicules que vous purifiez, que vous améliorez à travers chaque expérience. Observez-les avec bienveillance et amour, comme un parent observe ses enfants avec fierté. En tant qu'âme, vivez cet amour que vous avez pour tous vos véhicules. Avec le regard de l'âme que vous êtes, observez l'expérience de vie qui est vécue avec plus ou moins de difficultés par le petit moi dans votre vie actuellement. Observez quel corps ou véhicule est touché plus particulièrement par cette expérience. L'âme que vous êtes à attirer cette expérience avec amour et bienveillance afin de purifier et de faire grandir et d'améliorer ce véhicule dans le but de le rendre plus lumineux et de le faire rayonner davantage. En tant qu'âme, vous pouvez clairement percevoir avec amour, bienveillance et patience ce qui est en processus d'être purifié au niveau de ce corps par cette expérience de vie.
Élargissez votre vision maintenant à toute l'humanité et observez l'expérience de vie proposée à l'humanité aujourd'hui avec le regard de l'âme. Observez ce que cette expérience de vie vient purifier dans l'humanité, à quel niveau, physique, émotionnel ou mental. Discernez l'amour et la lumière qui demeurent derrière cette expérience de vie proposée à toute l'humanité.
Prenez conscience de la vibration du Om universel venant d'une source lointaine. Cette source qui nourrit la lumière et l'amour derrière cette expérience de vie, qui accompagne cette expérience de vie. Dans cette conscience d'état d'être d'âme que vous êtes complètement syntonisé avec ce Om. Portez votre regard à nouveau sur vos véhicules, l'observateur neutre, le mental, l'émotionnel et le physique. Ressentez comment, en tant qu'âme, vous êtes attiré avec amour vers vos véhicules et comment le Om accompagne l'âme que vous êtes à se réintégrer dans l'observateur. Dans le mental abstrait et concret. Dans le corps émotionnel. Et dans le corps physique. Dans cet état d'être, d'âme intégrée, faites comme si un monde de juste relation, un monde de juste partage, un monde de juste respect est déjà manifesté. Ressentez cela dans tout votre être, dans tous vos véhicules. Ce bonheur, cette unité avec tous les êtres humains, nous reconnaissant tous sur le chemin, même si nous ne sommes pas tous au même niveau sur le chemin. Et observez comment ceux qui sont plus avancés sur le chemin nous éclairent le chemin à parcourir. Et comment nous éclairons le chemin à parcourir pour ceux derrière nous. Le Om venant de la source nourrit
et rayonne ce que nous vivons dans l'humanité comme un don. Et nous aidons cette distribution en énonçant trois ohms très doux. Orientez vos sens à nouveau vers l'extérieur et reprenez conscience de votre respiration. Prenez quelques respirations profondes et revenez dans le ici et maintenant dans cette pièce. Et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux.